C'était vendredi. Hein? Il a invité qui? Il a invité les chefs coutumiers. Il a invité les princes. Il a invité les sacrificataires. Il a invité les lévites. Il a oublié qui? Il a oublié la prophète. La parole de Dieu vient au prophète. Amen. David avait de bonnes intentions, mais il lui a manqué de consulter les prophètes. Ce matin, nous voulons consulter les prophètes. Amen. Dites amen. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'a jamais changé, mon ami. Amen. Au temps de Moïse, alléluia, c'était Moïse le prophète. Les gens disaient, non, nous aussi, nous voulons que Dieu nous parle. Nous aussi, nous prions, nous gênons. Non, non, Dieu ne traite pas avec les groupes. Amen. Ce matin, je vais vous décourager que Dieu ne traite pas avec les groupes. Mais Dieu traite avec un individu. Amen. C'est dur à avaler, mais c'est la vérité. Amen. Parce que quand Dieu veut parler, mais s'il veut parler au groupe, il va parler à qui? Il va parler. Dieu est un Dieu de l'ordre. Les enfants d'Israël voulaient se révéler. Non, nous, nous prions plus que Moïse. Nous sommes aînés que Moïse. Moïse a dit, ah, ok. Allons-y à la montagne d'Horeb, là où Dieu me parle. Comme ça, vous entendrez comment Dieu parle. Moutoupé a su courage à l'antibacterie. Même les démons sont les très courageux. Amen. Même quand ce matin tu dis que tu pars à l'église, démons pas le prix pour l'amener dit à l'église. Amen. Mais aujourd'hui, à Salier. Amen. Dans la Dieu. Amen. Nous allons au Mont Carmel, dans mon rêve. Amen. Amen. La même onction qui était descendue pour prier les 400 prophètes de Baal va détruire ces démons qui ont fait l'air. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si les anges montent et descendent, amen. Et ces anges-là feront quelque chose pour nous. Amen. Amen. Balati Moïse, dis-moi. Lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui donnait les quoi? La Torah. Vous savez quoi là? La Torah. Il y avait là les dix commandements. Lorsque Dieu parlait à Moïse, et en bas là, ils ont entendu quoi? Des tonnerres. Les éclairs. Comme si Mboula mourait ni mal. Donc maman Mboula, tempête n'y est bête. Mais en même temps, quand Dieu parlait, Moïse était ce Amen. Amen. Mais les gens écoutaient des tonnerres. Et quand on les entendait, même à 4-15 bêta. Même pas une touche qui touchait la montagne mourait. Même à temps ici. Amen. Que même la mouche qui touchait la montagne mourait. Parce que cet endroit-là était devenu saint. Et en ce moment, quand nous parlons de la parole, cet endroit devient saint. Amen. Même une mouche en petit devant qui touche elle-même. Amen. Est-ce que tu t'amènes à cela? Amen. Et depuis lors, les gens ont dit à Moïse, Moïse, que Dieu te parle toi. Et que toi, tu viens nous parler. Dans Malachie 4, on aura pu m'indiquer. Remarquez, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Ce qui s'est passé à Horeb. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Avant que les jours, alléluia, les jours que le temps de mauvais n'arrive. Et c'est Élie là, c'est William Mahoma. Amen. Amen. Je parle toujours au prophète. Amen. Il nous faut dans la SMO qui ont des prophètes à Ajnayo. Est-ce que c'est la vérité? Au temps de Noé, la même chose. Bon, nous avons étudié. On regarde, il n'y a pas de pluie. Dieu a dit à Noé, dis aux gens de se préparer d'entrer dans l'arche, car il y aura la pluie. Mm. Ah, toi, on a Amen. Oh, pour que Christ entre, il y a des choses. Hein? Un endroit prêt. Préparé. Il faut d'abord un endroit prêt. Que David n'avait pas d'endroit prêt. Préparé. Et la préparation, c'est la stature de l'homme parfait. Il y a d'abord un fondement qui est là, la foi. Dites amen. Amen. Est-ce que tu as la foi ce matin? Qu'est-ce que tu as un condiment? Parce que la Bible dit que. S'approche de Dieu, doivent croire qu'il existe et qu'il est le règne de Dieu. Amen. Ce qu'il recherche. Amen.
Ceux qui osent l'église font demander le guérison, mais à la cas. Sinon, on les Satan n'auront pas. Bamba. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. C'est pourquoi sans la foi, tu ne peux même plaire à Dieu. Or, la foi, c'est la révélation. Frère Barabé dit, chercher la révélation plus que toutes choses en moi. Amen. Qu'est-ce qui nous différencie des gens qui sont réunis, c'est vrai, dans beaucoup d'églises, dans les dénominations? C'est la révélation. Si c'était la Bible, ils ont la même Bible que nous. Mais qu'est-ce que la différence? C'est la révélation. Pourquoi ils n'ont pas la révélation? Parce qu'ils n'ont pas reçu un prophète. Parce que la révélation vient à un prophète. Amen. Nous montons jusqu'à l'amour. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour sans la foi. C'est faux. Tu ne peux pas que tu as l'amour sans la tempérance, la pierre. Dis ta main. Amen. C'est pourquoi après l'amour, alors la pierre de Dieu, qui est Christ, descend. Et quand cette pierre descend, elle a la forme triangulaire. Faut dire que la pyramide a la forme triangulaire. Amen. Amen. Mais vous verrez beaucoup de gens ici. Je vous ai déjà parlé de ça. Dans chaque maison, il y a ça, mais il n'y a pas ça. Je vous ai parlé dimanche passé. Vous avez vu, non? Une dame là en train de, je ne sais pas, donner des bisous à ces Jésus. Vous avez vu, non? Mais ceux qui ont précié Yeshua, à vous prier. Manque à révélation. Et je vous avais dit que dimanche, on peut. Moïse a dit. Est-ce qu'il a dit que j'ai mon fou de ce que Moïse a dit? Non. Il savait que c'est lui qui avait envoyé Moïse. Moïse était prophète. Pourquoi il a accepté ce que Moïse a dit? Nous, on peut encore dire. Est-ce que vous faites dire amen à cela ce matin? Amen. Donc, nous voyons d'abord que lui voulait que l'arche vienne, mais il s'est mal pris. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous nous y prenons mal. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Nous voulons que les choses arrivent, mais toujours que la façon d'habiller mon corps, nous ne faisons pas cela à la manière de Dieu. Et ce matin, nous voulons le faire de la manière de Dieu. Amen. Et dans la situation que je disais dimanche, on dit que David avait une vraie onction qui était de Dieu, une vraie révélation. Mais le problème, c'est qu'il a dépassé ses attributions. Amen. En fout, il est gâté. Vous voyez, le prédicateur aujourd'hui, je connais tout. Non. Reste là où Dieu t'a placé. Sinon, ça sera servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. C'est sûr que tu as l'onction, mais est-ce que tu peux tout faire? C'est sûr que Dieu t'a appelé. Est-ce que toi, tu dépasses tout le monde? Non! C'est pourquoi dans les critères, quand je vais dans la réunion d'église, vous allez comprendre ce qu'il faut. Femme dit qu'il faut cibler un homme. Femme dit qu'il peut accepter d'autres ministères. Et les apprécier. Amen. Bon, écoutez un peu ici. Donc, quand on dit qu'il avait une bonne révélation, mais il avait mal agi, le problème c'est qu'il avait dépassé ses limites. Ce n'était pas à David d'amener l'arche. C'était au prophète d'amener l'arche. Et qu'est-ce que David a fait pour amener l'arche? Merci Seigneur. Il a fait quoi? Il a pris les chars neufs. Comme il avait l'argent, il a pris des chars neufs. Et là, il est parti, il a bien embelli les chars, il est parti. Vous voyez que l'arche ne se transporte pas sur les chars. Amen. Il t'amène. Amen. L'arche qui veut transporter, c'est l'épaule. Est-ce que vous avez une différence? Amen. Vous voyez que cette épaule-là, c'est le cœur. Et il t'amène. Amen. Et il dit dans cette heure, l'arche est venue sur le cœur des prophètes. Amen. 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 Là, on dit l'arche de Noé. Christ est l'arche des frères Balaam. Christ est notre arche. Amen. Nous tous, nous devons y entrer. N'est-ce pas la vérité? Amen. Rapidement. Vous voyez? Vous pouvez même décider. C'est un film où on voit ce qui est là. Il était là au Congo. Et Béla. Ce qui est Béla. Oui, d'accord. Un film où on voit une statue. Et puis des choses compliquées. Mais parole à Oisa. Ce qui a le bien, le mot, il y a mon nom posté, il y a mon nom qui a. Mais quand on dit que David ici, l'arche, et le Saint-Esprit, le monde dans l'église. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas devenus une dénomination? Nous
je vois une église qui est tombée dans la dénomination et qui s'est relevée. L'homme dit qu'elle ne se relevera jamais. Mais il dit gloire à Dieu, ce message ne sera jamais une dénomination. Mais nous deviendrons des dénominations. Mes messages vont continuer. Amen. Amen. Je ne veux pas être une dénomination, Seigneur. Est-ce que c'est la vérité? Roi, Dieu vous donne la bonté. David a fait beaucoup d'argent. À part ça, il a fait beaucoup de femmes. Bon, ah ouais, la polygamie, le mec est polygamie, hein. Vous avez vu? Bon, ça c'est un sujet très sensible, ok? Je vais vous lire les citations. Ici. Ou bien, il y a encore des enfants ici, hein? Bon, là, tu vas. Je parlerai de ça. Frère, on dit que toutes les deux écoles ont échoué. N'est-ce pas ça, dit ta mère? Oui. Dit que la première école, c'était quoi? Une seule femme et ses filles. Et cette école-là est fausse. L'autre école a ajouté, n'est-ce pas? Deux, plusieurs fois. Femme, cette école-là a échoué. Femme, il faut rester au milieu de la lune atteinte et la ville. Qu'est-ce qu'il y a des milliers de chemins? Ça leur fait mal. Frère Billy Paul, il était divorcé ou quoi? Vous connaissez. Il est prédit divorcé. Sa première femme là était vie. Et il s'est marié à Anna. Mais est-ce qu'il veut avec les deux à la fois? Bon, voilà. Pour que vous compreniez qui chemin à frère Branham. Amen. Mais je voulais commencer à lire ça. Parce que j'avais promis que je dois quand même parler de la polygamie de David. Parce que les gens prennent ça pour justifier la polygamie aujourd'hui. Mais comme il y a des enfants, je vais aller des choses claires selon frère Branham. Vous comprenez? Quand vous dites qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était quel commencement? On avait posé la question là-bas, il y a deux commencements. Le premier commencement, Dieu créa les cieux. L'autre commencement, au commencement, était là. Regardez ces commencements. Vous avez le frère Branham? Alors, je dis que comme il y a des enfants, ce sujet-là, je vais même garder, je garde ça en parenthèse. J'y reviendrai sur ça. Amen. Avant, nous sommes d'abord côté polygamie de David. Mais je vais les dire autrement dans les types. Amen. Je veux que vous compreniez que c'est très important de se réjouir lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel. Attends, on l'oublie, amen, dans le monde, on le prend, attends, c'est beaucoup, hein. Attends, le bon coup. Tu vois vraiment, ça fait du bien. Et nous voulons prêcher, il dit, mais je ne sens pas, il dit, mais où est le frère Ben? Où est la sœur telle? Parce que quand elles sont là, elles me font prêcher. Et Franck dit que même si le prédicateur est ouais, comment, si l'assemblée n'est pas ouais, le Seigneur n'agira pas. Amen. 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 Il faut qu'il y ait cette symbiose-là. Ça sort et vous ramenez. Alors le Saint-Esprit agira. Amen. Il est parti même très loin. Il dit que peu importe votre problème, même si l'ange est ici, si vous n'avez pas cette foi, donc c'est vous qui actionnez l'ange. Amen. Dis amen. Amen. Voir qui peut croire, qui peut accepter, et la chose sera faite. Amen. Rapidement ici. Rapidement, si vous avez vraiment pas dit le nom, vous dites que ça, c'est le type de la dénomination. Vous dites qu'ils ne peuvent pas laisser voir la parole. Ils sont des types de dénomination. C'est pourquoi ils sont morts. Vous êtes morts. Écoutez. Vous avez étendu la main vers l'arche de Dieu et l'a saisi. Parce que le bœuf la faisait pencher. La couleur de la couleur s'enflamma contre Ouza et Dieu ne fera pas. Je vais lire ça dans la citation. Donc Ouza Oyakofi. Pour Nakaka. Arche de Dieu Koya Mouya Kouchas. Mais ma gogoli aussi par l'orage. C'est seulement les Lévites. Les agrés de Dieu qui peuvent manipuler la parole. Dites amen. Disons beaucoup de choses. Essayez de rendre à Dieu un service de sa volonté. Sans son trône. Voilà le don que vous voyez. David étant inspiré. Or, vous vous souvenez que j'ai parlé de l'onction. La fausse onction. S'il y a une vraie onction, il y a aussi une fausse onction. Amen. Vous vous souvenez, le Saint-Esprit peut venir ou être une personne. Et que ce soit quand même en dehors de la volonté de Dieu. Qui va voir? Le Saint-Esprit. Il te voit, mais que ça soit. Le problème de David, c'était la source de son inspiration.
ressources dans les années. Est-ce qu'ils ont la YouTube? Ok, mais dans la YouTube, on va dire au Katakatama, ou bien source dans yo, et ça Google. Je vais vous montrer sur tous les prédicateurs. Ici, ça concerne plus de prédicateurs. La source d'inspiration n'était pas bonne. Est-ce que c'est que tu as poussé? C'est ce que Frère Branham a dit. Ta source doit être les ainsi dit le Seigneur. Et les ainsi dit le Seigneur, c'est un prophète. Amen. Amen. On dit que, et que ce soit quand même en dehors de la volonté de Dieu. On dit, en voici la preuve ici même. Voyez, il faut avoir recours à la manière de Dieu de le faire. Pas à notre manière à nous, mais à la manière de Dieu de le faire. En effet, David qui était loin de l'Esprit de Dieu, qui était sur. Ouais, de l'Esprit de Dieu qui était sur lui, un type de Jésus-Christ, mais ce n'était pas le canal de Dieu. Amen. Alors, évitez que ceux qui ont sali, et l'autre, voilà, les autres, ça m'a mis au au bout de la peine, on m'en fout d'un bien. Vous voyez, au téléphone, c'est au dites amen. Amen. Personne qui encore. Faut que tous ces gens-là, les dons qu'ils ont là, ça vient de Dieu. Mais ils utilisent ça pour le monde. Amen. Mais là, c'est le vrai don, la vraie onction. Mais c'est utilisé pour la futilité. Et vous comprenez? Qui peut donner la voix? C'est seulement Dieu qui peut donner la voix. Ça vient de Dieu. Même dans ce jour, comme pina la musique en mondoine. Est-ce que le quelque chose à moi? C'est la hanche de Dieu. Mais au lieu qu'il veut chanter à l'église, lui chante, c'est ça la vraie option, mais mal utilisée. Et vous comprendrez. Amen. Et c'est la même chose. Nous avons des cris que Dieu nous a donnés. Nous avons les mêmes. Mais nous applaudissons quand il y a le football. C'est là où nous chantons. Mais à l'église, on va beaucoup bien. Vous allez en tuer un bien, mais il y a beaucoup. Nous allons voir qui. Les problèmes. Toute l'assemblée. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. Vous me dites que le diable a fait quoi? Trois quarts. Il en avait dit trois quarts. A dit qu'à un quart. Vous voyez, Bazaï est béni. Amour. À ta voix, ils disent le Dieu, mais ceux qui ont parlé, t'es. Attends, j'ai eu beaucoup, mais vous y en avez. Mais quand l'église, nous sommes. David, tout ça, les complètes. Comme David avait l'argent, les complètes de l'argent. C'est pourquoi que Dieu enlève la pauvreté. Que Dieu vous bénisse matériellement, financièrement. Amen. 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 Parce que nous voulons que nous soyons papa, que ce soit en politique. C'est que vous voyez le naturel là, ce n'est pas le spirituel. Est-ce qu'il y a encore des gens qui résistent à l'argent aujourd'hui? Bah, il y a la raison de la honte au moment de la Pierre Fond. Bon, Pierre Fond, soyez vite à côté à Ouest. Hein. Je vais t'acheter une maison à Saint-Laurent, une maison de 2 millions à Mont-Royal. Bon, mais il faut que tu te payes l'église pendant 3 ans. Je vais quelque chose à faire avec toi. Comme. Tu vas résister. Tu vas passer dans un copo. Tu vas les paroles. Tu vas pas comprendre, il reste à ton régner. Ils ont des idées, là, qui est dans le coulant, dans vos sons, mais ils ont comment on va aller les vélos. Quand tu as pas ta zone, le goût, parce que tu as voulu voir 20 000 pas, ils ont évoqué dans ton son. L'église est confiée. Que les choses, que les matériels, ne nous change pas la destinée. Amen. Dites amen. Amen. Que les choses de ce monde, ce qui attire, ne puissent pas vous amener en enfer. Dites amen. Amen. Et David a dansé avec toute sa force. Avec le système, on se donne aux choses de Dieu avec toute l'énergie possible. Mais nous, où est-ce qu'on donne toute la force? Au travail. Dites amen. Toute la force, on la donne où? Aux études. Mais à l'église, on donne la dernière force qui reste. On a dit, 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 on a dit
mais à Dieu, il faut qu'on lui donne les miettes, les temps. Maintenant, oh, vous allez aujourd'hui, déjà à Colemba, au Fagina, on va sauter. Nous devons nous réjouir devant la parole. Amen. Amen. Comme dit, il était certain d'offre que David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de la maison de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Quand on dit qu'on veut inviter la parole, mais attends-moi qu'il est nous. Dieu aime ça. Dans les cris là, c'est là où il est vrai. Dieu aime qu'il y ait des bruits pour lui. Mais vous l'avez dit pour les politiciens, non? Ce gars a dit, il doit arriver en même temps. Mais ici, lorsque la parole vient, au lieu d'avoir la joie qui devait même être triste, nous devions nous réjouir de venir dans la maison de Dieu. Parce qu'ici, il y a des bénédictions. Même pas seulement des bénédictions, mais la vie éternelle qui se donne. J'ai déjà mis une citation ici. Faut dire que même cette éternelle, faut dire que Seigneur, je te demande maintenant. Attends, une citation. La prière des frères Branham. Donc écoutez un peu ici rapidement. Donc je veux que cette église comprenne que c'est normal de faire des cris de joie, des jouissances. Lorsque la parole vient, lorsque la parole est apportée. Et comme l'âge de l'Éternel est entré dans la cité de David, Dieu reste pour eux. Quand David dansait, hein, aussi ça, ah ouais, quand David dansait, Mikal, moi c'est David. Pour tout le monde, c'est la famille. Voici, mais quelle fille de Saül, la fille à Saül, mais en bas la David. Regardez par la fenêtre, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Il le méprisa de son cœur. Mais quand a méprisé Saül et a méprisé David. Ça, c'est quel genre de roi qui danse comme ça? Hein? Devant les peuples qui le connaissent, devant les. Donc, le chef a dit qu'il n'y a pas de bonheur. Il faut garder un charisme, c'est ça l'éternel, charisme. Devant Dieu, il n'y a pas de charisme. Amen. Amen. On vient avec vous la patron. Patron dans la Bible, c'est le patron, c'est le Seigneur qui est. Amen. Vous la patron, partez pour la musique. Et dès le deuxième fils de Bathsheba. Dites amen. Il avait dit que c'était son premier fils. Son premier fils. Dieu l'a retiré parce que c'était un fils qui était hors du mariage. C'est dans la Bible, non? Donc, le nom Salomon, il y a un grand frère Zahir, Dieu l'a retiré. Parce que ici, on dit que Salomon, voilà, moi, dans ma cambo, moi, je vais pas faire mon bouffage. Parce que David a dit à Bali, tu vois, parce que mon bel est à bouffage. Et bon, quoi? C'est pourquoi quand on dit que David est le type de Christ, comment on dit la citation, il dit en réalité c'est son fils Salomon. Parce que Jésus devrait être le fils de David. Comme dit que le fils de David dans la chair c'est Salomon, en réalité c'est lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aucune femme ne pouvait pas avoir un autre mari. Amen. Mais lui pouvait en avoir. Quand j'étais au loin du message, quand j'étais au loin.
et que je voyais le fer en Christ qui marchait dans Gorille. Moi je t'ai attiré par leur comportement, mais ils m'ont dit une chose qui m'avait bien réjoui. Ils m'ont dit grâce dans notre royaume, nous avons là quelqu'un. Il s'appelle Précieux Branham, c'est lui qui connaît le chemin du ciel, c'est lui qui a la paix du roi, le messager de Malachie 4. Le messager de Malachie 4. Raison pour laquelle j'ai cru ce message. Mais arrivé au message, moi déjà incroyant, là la note est changée, même la chanson se changeait. Là-bas on dit qu'il est Dieu à adorer, là-bas on dit Jésus c'est morce du serpent, là-bas on dit c'est lui qui avait envoyé Jésus. Les uns disent qu'il est un simple prophète, cela m'avait mis dans la confusion. Tellement que j'ai venu de croire, tellement que j'étais un nouveau croyant. J'étais parti auprès de William Branham, lui posant une question, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Oh, amen, amen. Parler de ce grand secret.